téléphone. Quoi? Ton mari, Pierre Révaux. Tu le remets? Je veux savoir ce que tu fais. Je te fais bander. Ouais, tu t'es fait piquer par une méduse? Ouais. Mais ben? Bah enfin, Chris. Je peux danser avec ta maman? Avec qui tu veux, sauf moi. Ça va de soi. Allons-y, chère madame. Champagne? Ah bah, dis donc, t'as des dons d'observation rendus communs. Non, tu ferais pas ça. Oh non, je fais pas ça. Tu prépares bien l'avant et tu prolonges le mouvement. Regarde bien. Là, comme ça. Ne panique pas, toi, j'arrive, je m'occupe de toi. Hein? On remet ça? Officier de police Lavardin. J'ai une poule chez moi d'ailleurs. Il y a un flic qui vient d'arriver pour enquêter. Police judiciaire. Un poulet est pas trop nerveux. Vous avez pas le droit. On peut tout, mon petit gars, quand on est de la police. C'est tout ce que t'as à me dire. Un poulet plutôt tendre. On se repose une seconde. Une pincée de folie. Il n'est pas devenu fou, lui. Vous êtes un fou. Ça fait peur, Louis. Ces gens-là sont fous et méchants. Mes sorciers ! Saupoudrés d'agressivité. Ajoutez 2 cuillerées de mystère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout. Déglacé avec un brin d'érotisme. Ça peut pas être une histoire de cul ? T'es un ange. Laissez mijoter dans le suspense. Tu veux la guerre? T'auras la guerre. Sans oublier le vinaigre. Eda. Delphine a disparu. Qu'ils crèvent tous. Ça va mal se terminer, tout ça, je te préviens. Elle est morte, maman. Elle s'est tuée. Aide deux. Et chut. Les loups pourrissent de l'intérieur. C'est une recette secrète. Dis rien, Louis. Ne dis rien, Louis. Je vous piégerai, je vous préviens. Parce que je sais voir clair, moi aussi. Même la nuit. Et servez chaud. Bon appétit et régalez-vous. Charlie est devenu fou. C'est quoi Charlie, c'est ça? C'est qui Charlie? Il est mort, tu vois? Je connais juste un marin alcoolique qui s'appelle Rinaldi, c'est tout. Hey,
ta femme, tu l'as épousée par amour ou par intérêt? C'est bien ce que je pensais. Je t'embrasse pas parce que j'ai envie de t'embrasser. C'est pour te prouver que tu peux pas faire autrement. 2,5 millions, Charlie. Une montagne de fric. De quoi nettoyer la crasse. Je vais rentrer, Charlie, ce serait plus raisonnable. Je te fais rentrer, moi. Si vous êtes dangereux, j'hésiterai pas à vous dénoncer. En tout cas, je vous interdis de me mêler davantage à cette affaire. N'approche pas, Georgien. Ce soir, je te jure, je suis à l'état sauvage. Charlie ! Reviens, Charlie ! Reviens, changer votre mode d'emploi. Et comme toujours, vous êtes très romand, vous saurez amadouer les autorités qui vous soupçonnent de légèreté. Taureau. Lettre perdue, téléphone muet, grand silence dans la vie privée des natifs d'avril. Malgré des dispositions optimistes, il y aura quelques contretemps. Gémeaux. Vous brillerez tout naturellement et votre gentillesse désarmera les plus tristes figures. Profitez d'un entracte dans vos relations affectives pour faire le point. Cancer. Votre sens du devoir vous égare parfois dans des subterfuges inutiles. Pensez plutôt à l'être aimé. Le temps des risques est arrivé et si vous avez des petites misères, n'ayez pas peur de vous soigner. Ça pourrait être grave. Il paraît que j'ai 9 chances sur 10 pour que ça soit bénin. Vous êtes toujours optimiste comme ça. Il est admirable. Ouvre les yeux, Benoît. Tu m'as fait peur. J'ai la trouille. Vous dites ça parce que vous êtes malade. Cette maladie m'a permis de savoir où j'en étais vraiment. Et franchement, il était temps. Alors il est où maintenant, ton malade? Personne ne sait où il est. Alors maintenant, c'est que je le retrouve, ton madame. Qu'est-ce que je vais faire pour voir comment je peux le sauver? Où tu es? Au ciel! Où? C'est énorme. C'est énorme. Quel beau voyage. Quel beau voyage tu m'as fait faire. Je pars, je suis mort. Je reviens, il y a la vie, il y a l'amour, il y a tout. C'est inimaginable. Inimaginable. Tu te rends compte? Ça se calme. Oh putain, ça reprend. Ma gonzesse par mon chien. Ah, ça me dégoûte. Rien d'y penser, ça serait à sentir le cul sans un... Sacha et Philippe ont l'immense joie, rien que ça, de vous convier à la réunion sous le soleil de la Rochelle. Blablabla. Écoutez, hein, vous faites comme vous voulez, moi j'y vais, même en stop. Ça me fera du bien. Je supporte plus mon mari. Vengeance de mari. Fais ton sac. Et pourquoi tu veux aller à ce mariage, toi d'ailleurs? Je vais être encore un petit peu amoureuse de Philippe, voilà. Vous êtes belle. Vous devriez trouver un amant comme ça, en claquant des doigts. Il faudrait claquer un chouïa plus fort, alors. Et le sexe? Ce soir, je serai... La boutique est fermée depuis belle durée, et c'est plus trop jamais la clé, tu vois. Toi aussi, t'es en mode pause. Vous croyez quoi, les filles? Faut bosser. Mettre ses atouts en valeur, refaire ce qu'il y a à refaire, c'est du boulot. Sors, je sais pas, va sur Internet, rencontre des gens. Tu sors, toi. Si on s'est pas marié, c'est uniquement parce que moi... Il t'avait jamais demandé, moi. Non, moi non plus, il l'a pas demandé. Et c'est pour ça que je vais à ce mariage à la con, pour voir la tronche de celle à qui Philippe va dire oui. Ma femme, merde, il fait beau, il y a la mer, amusez-vous. Qu'est-ce qui se passe avec votre chat? C'est gentil de vous être arrêté parce qu'on avait besoin d'un homme pour la voiture.
Ben, je vais devoir vous tirer. Moi d'abord. Tu rêves? Mais c'est une blague. C'est elle qui se marie avec Philippe.